Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Dimanche 11 septembre 2022 à Gatcote pays États-Unis, DEA arrêté sous la mer 127 natifs natal haïtiens avec trois natifs natal cubains tout près Anguilla Cay, yon zile Bahamas yo, Gatcote américain di yo remet moun yo arrêté yo bay autorité groupe zile Bahamas yo. Deux jeunes journalistes sous 7 qui tal essayé faire yon reportage après consassinat bandi examté fait sous Christella Delva, yon ti fi 17 l'année en dedans commune Cité Soleil disparaît dimanche 11 septembre 2022. D'après plusieurs témoignages, bandi exam taboulé cadavre Francin Charles ak Tyson Lartigue après yota assassiné yo. Pièce moun pa ka accusé journaliste qui disparaît yo peut-être yota fait travail yo. C'est considération sur Alter Presse ak Alter Radio association journaliste haïtien yo qui dit gros la peine yo sous tragédie ça qui rivé deux jeunes journalistes yo. Tout journaliste ta dû réfléchir avant yo aller dans côté bandi a dirigé yo d'après association haïtien média qui en ligne sur internet lundi après-midi 12 septembre 2022 a te gen gros tension avec caoutchouc cap boulé dans la zone métropolitaine Port-au-Prince dans tant que zone Delmar te gen roche qui t'a tiré après nouvelle qui t'a fait quoi autorité de facto yo pral augmenter prix gaz lan. Lundi 12 septembre 2022 a te gen gros tension tout dans commune Kafou caoutchouc t'a boulé plusieurs côtés et puis te gen roche dans l'aria si tout nan niveau route nationale numéro 2A. Lundi 12 septembre 2022 à Monokay, département site pays d'Haïti, ra poursuivre mobilisation yo contre climat la terre gang exam yo contre ratman gaz lan ak contre la vie chère. Te gen barricade caoutchouc ki t'a boulé divers côtés, ça qui était la cause activité commerciaux bureau l'état pat marché. Pendant journée dimanche 11 septembre 2022, la circulation a continué bloquée dans zone Canaan sur route nationale numéro 1. Plusieurs groupes exam te utilisé camion yo te forcé chauffeur yo remet yo clé machine yo pour yo te ka bloqué route lan. Gouvernement de facto an pa di rien sou sa k ap passé nan peyi a parce que la vra poursuiv travay li pou pote résultat positif d'après ça Ariel Henry fait konnen. Ariel Henry annoncé gouvernement de facto pral monter prix gaz lan encore après gros augmentation il était décidé dans date 10 septembre 2021 dans pays d'Haïti. Élection pral faite dans pays d'Haïti avant finissement l'année 2022, c'est promesse premier ministre de facto Ariel Henry dans un message livré bien tard dans la nuit dimanche 11 septembre 2022. Dans chapitre migration dimanche 11 septembre 2022 à Gatcote pays États-Unis dit yo arrêté sous la mer 127 natifs natal haïtiens ak 3 natifs natal cubains tout près Anguilla Cay, yon nan zile Bahamas yo, Gatcote américain di yo remet moun yo arrêté yo bay autorité groupe zile Bahamas yo. Depuis plusieurs mois, c'est plusieurs milliers moun Gatcote américain di yo arrêté sous la mer, plusieurs milliers moun kap tenté traverser pour yo rive nan pays États-Unis pour yo capable joindre yon la vie meilleure. Dans chapitre insécurité, des jeunes journalistes sous 7 qui tal essayé faire yon reportage après consassinat bandi exam te fait sous Christella Delva, yon ti fi 17 l'année en dedans commune Cité Soleil disparaît dimanche 11 septembre 2022. D'après plusieurs témoignages, bandi exam taboulé cadavre Francin Charles ak Tyson Lartigue après yota assassiné yo. Pièce moun nan pa ka accusé journaliste qui disparaît yo peut-être yota le fait travail yo. Ces considérations sous Alter Presse ak Alter Radio association journaliste haïtien yo qui dit yo gen gros la peine sous tragédie ça qui rivé deux jeunes journalistes yo. Secrétaire général association journaliste haïtien yo Jacques Desrosiers rappelé gen plusieurs journalistes qui perdit la vie yo pendant yo ta essayé faire reportage dans zone difficile yo. An koute secrétaire général AJH la Jacques Desrosiers capote plus de détails pour nous. L'information fait croire que c'est des adolescents qui étaient assassinés la veille. De recevoir un bal marron dans une machine qui était sur l'air. On s'en fait parce que le groupe journaliste a été ensemble et a organisé, réalisé une interview avec maman et adolescent hier, c'est ma carte, et il était venu aussi que sur l'air hier et que il n'a pas tourné. Bon, son nouvelle nous a été choc, encore une fois, et une insécurité généralisée dans le pays. Ça fait deuxième groupe journaliste
qui a assassiné. Il faut que dans le début mois janvier, il y a deux journalistes qui ont reçu la boule qui était mort. Et que là, dans le mois de septembre encore, il y a deux autres confrères qui ont reçu la boule assassin. Donc, c'est un climat de sécurité généralisé qui nous condamne, ça fait là, nous choquer. Et qu'il y a un climat qui ne permet pas que les journalistes eux-mêmes aient une liberté vraiment pour faire travailler à chercher information. Un climat qui représente une grosse menace. Malheureusement, depuis environ 3-4 ans, il y a des zones que les journalistes ne peuvent pas aller. Ils sont allés, ils ont tenté d'aller. Il y a qui quittent pour eux. Il y a des cas, par exemple, les gagnants qui ont fait la vie, qui ne sont pas tournés. Oui, oui. Nous avons deux journalistes qui ont été là pour l'engager. Et puis nous avons deux journalistes qui ont malheureusement qui m'a fait, qui étaient des hommes de l'endroit, qui fait que les journalistes eux-mêmes n'ont pas libre pour aller chercher information pour toute la population. Mais est-ce que vous pensez nous avons pointé responsable médias en ligne ça, du droit pour l'en mort, monsieur Sayo? Nous n'avons pas besoin de journalistes responsables qui ont cherché information pour informer une population qui a exercé et un exercice de travail. Le travail, c'est aller chercher information. Au total, les populations même qui ont droit à l'information, qui ont droit à connaître ce qui a passé. Nous ne pouvons pas parler de l'énergie pour être mis sous la médias qui ont fait ce travail-là. Les journalistes eux-mêmes, même que nous reconnaissons que le climat que nous avons voulu connaître là, est important pour les journalistes. Avant de faire le travail de terrain, il faut que bien analyser le contexte et enjeu, évaluer le risque. C'était secrétaire général AJH, Jacques Déoussi. Tout journaliste ta doit bien réfléchi avant yo aller dans zone côté bandi a dirigé yo d'après association haïtien média qui en ligne yo sur internet. Président association haïtien média en ligne yo Godson Lubouin lui-même mandé pour gain plus principe dans affaires média en ligne yo dans pays a pour permettre gain moins faux journalistes cap circuler libé dans pays an pendant li fait connait tout journaliste ta doit bien réfléchi avant yo aller dans zone côté bandi a ferraille yo en côté Godson Lubouin qui a porté plus de détails pour nous. Moi même comme monde qui peut verser dans question média dans question nouveau média en particulier moi crois que c'est moment pour que corporation média en ligne ont deux bagages pour penser avec. C'est vraiment c'est un incident, c'est pas le moment pour nous épiloguer ce problème secteur ça mais il y a deux bagages que nous devons mettre accent sur. D'abord, c'est question professionnalisation, la pratique en métier, est-ce qu'on veut devenir professionnel dans métier, ça veut dire respecter règles métier, respecter principes métier, respecter gens pour faire métier. Deuxièmement, c'est régulation d'une manière globale. Qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui est pas journaliste? Faut qu'on côté que ça écrit, qui est-ce qui est journaliste, qui est-ce qui est pas journaliste? Faut qu'on côté qui dit, mais comment on mounge un média en ligne? C'est pas parce qu'on mette un badge dans le cou, un téléphone intelligent, un iPhone, ou un prend image, un côté qui fait un média. Et puis, c'est professionnalisation, hein, c'est régulation, c'est deuxième élément. Ça permet que journalistes comprennent que nous vivons dans une société qui, et un pile risque dans le mouvement de protestation qui est souvent, risque de conflit, risque dans la question d'insécurité. Donc, couverture médiatique, événements, journalistique pour événements, ça nécessité d'abord de la formation, mais ensuite tact avec réflexe métier. Ça veut dire que un jeune journaliste, je dis à un monde qui apprend un journaliste, qui veut comprendre le métier, qui veut développer peut-être le métier. Vous comprenez que gain de bagages qui c'est apprendre pour apprendre mieux, gain de bagages c'est connaître pour connaître et puis qui pour développer la carrière comme réflexe comme tact. Par exemple, des zones de non-droit que nous gagnons aujourd'hui à moi décourager me conseiller journalistes même si on a de très bons sujets que vous avez fait dans zone ça parce que conditions sécuritaires pas optimales pour pas aller dans zone ça parce que vraiment c'est à la boucherie que aller seulement année ça dans début année à gagner ça un incident pareil qui fait dans la boule 12 Joutia et nous avons compté ça dans Cité Soleil. Donc, c'est une situation qui est regrettable pour la corporation. Mais j'aime dire là, professionnalisation, régulation, c'est le moment pour nous penser à ça, surtout pour le secteur média en ligne. C'était président de l'association haïtienne média en ligne, Godson Lebrun. Dans le chapitre Mouvement social qui gagne dans le pays d'Haïti, lundi après-midi 12 septembre 2022 a te gen gros tension avec caoutchouc a boulé dans la rue dans zone métropolitaine Port-au-Prince tant kou sous Delma te gen wash qui t'a tiré après nouvelle qui t'a fait quoi autorité de facto yo pral augmenter prix gaz lan situation ça te la cause toute entreprise te couri fermer porte yo toute institution te couri voyer employé yo aller
à cause de la situation tension qui te gagne dans la rue. Britsoukou, pas de gain pièce machine qui te circuler monter sous Delma à cause roche qui t'a tiré par ci par là sans compter caoutchouc qui t'a boulé dans bloc Delma 30, Delma 32, Delma 47, Jou Crivé Delma 75. Lundi 12 septembre 2022 a te gen gros tension tout dans commune Kafou, caoutchouc t'a boulé plusieurs côtés et puis te gen roche dans l'aria surtout dans niveau route nationale numéro 2A. Situation a pas changé dans après-midi lundi 12 septembre 2022 dans Kafou, l'aria t'est toujours été blanche, pas de gen machine qui t'a circulé. Dans mi-temps journée, te gen un pile détonation dans niveau Mariani, Bodlo, Entrecide, route rail. D'après information qui est disponible, t'assemblé la police t'a toqué connu avec plusieurs groupes gang dans zone ça. Pendant journée 11 septembre 2022, circulation t'est continué bloqué dans zone Canaan sous route nationale numéro 1. Plusieurs groupes exam t'est utilisé camion, yo t'est forcé chauffeur yo remettre yo clé machine yo pour yo t'est ca bloqué route là. Gouvernement de facto a pas dit rien sous ça qu'a passé dans pays a parce que la vraie poursuivre travail li pour porter résultat positif d'après ça Ariel Henry fait qu'on aime. Yon l'autre bord Ariel Henry annoncé gouvernement de facto après augmenter prix gaz lan encore après gros augmentation li était décidé dans date 10 décembre 2021 dans pays d'Haïti. Premier ministre de facto fait qu'on aime subvention gaz la représenter un gros charge pour trésor public lan. Dans ce sens, gouvernement l'a dirigé a décaissé plus passer 10 milliards goud pour li ka subventionner gaz lan. En coûté un extrait dans déclaration premier ministre Ariel Henry. Besoin yo en pile. Est-ce que nous trouvons ça normal pour l'État besoin lancer quelques programmes apaisement social pour nous réussir mobiliser seulement 3 milliards de goudes? Alors que nous avons dépensé plus passé 50 milliards de goudes pour subventionner gaz pour les gens qui ont payé dans un prix normal. Avec tout ça, gaz a toujours vendu plus bon marché longtemps parce que Jean Malfecteur avant l'île dans le marché noir. Nous prenons le gain pour nous ajuster le prix gaz là. Nous voulons gaz là disponible tout le temps dans les pompes, dans tout le pays. Nous travaillons sur ça et dans un petit temps qui n'est pas trop loin, nous devons recommencer à jouer le gaz là régulièrement. Moi, je connais des gens qui peuvent essayer de chauffer la tête nous. Dis nous prenons la rue pour le prix gaz là, pas venir dans le prix normal. Ils ne sont pas contents. Oui, nous jouons des solutions durables parce que plus le pays a un problème, plus vous pensez qu'il a fait l'argent et fait mobilisation pour faire capital politique. Compatriotes, le pays a un problème. C'est dans la tête ensemble pour nous résoudre. Violence, pas la donne. Violence, pas mener nous aucun côté. Je lance un appel au calme par tout le monde. C'était un extrait dans la déclaration du Premier ministre Ariel Henry. Pour Pipiti 15 moun jeune nan moyo dernier 48 heures ça dans pays Colombie dans plusieurs drames ça qui c'est image violence qui a persisté dans pays malgré appel pour la paix nouveau président Gauchan Gustavo Petro dans centre noir dans Dazouri un enseignant madame ni député ouais un groupe inconnu touye yo dimanche matin d'après sa autorité yo rapporté 5 migrants vénézuéliens qui gagne accusation comme quoi ont participé dans assassinat te ouais villageois yo touye yo. Gustavo Petro, qui est le premier président gauchiste du pays, ambitionné instaurer une paix totale dans le pays, côté toujours gain plusieurs dizaines de groupes examen mais tout narcotrafiquant. Gustavo Petro a affiché volonté pour négocier avec Guerilla Guevara et LNA, dissident ancien Falkland, qui voulait jeter accord pour la paix 2016 avec Guerilla Marxiste, mais discuter tout avec narcotrafiquant. Et au prince Andrew, deuxième petit garçon Reine Elizabeth II, qui n'a pas un rôle royal encore après plusieurs accusations d'agression sexuelle, n'a pas porté uniforme militaire pendant la cérémonie hommage à maman, d'après sa agence parfait qu'on est lundi. Il a eu une exception pour VE1 dans le Parlement britannique, là, côté ce que Reine a exposé mercredi soir jusqu'à lundi matin, d'après Sous Payo. Et puis, il a rappelé l'ambassadeur israélien en Rabat dans le pays, là, les mêmes qui ont accusation à bisexuel sous dol. C'est presse israélienne qui révélait David gen soupçon exploitation femme marocaine, harcèlement sexuel, mais tout disparition yon cadeau pour un Maroc, là, gouvernement israélien pas de jamais recevoir.
Dernier jour, sa yon délégation ministère israélien affaires étrangères te rené Rabat pour le temps des employés ambassade là. Ambassade a te rappelé dans fin semaine passée. Retourné Israël, David Govrin te défendu. Diplomate l'an dénoncé yon campagne diffamation sur un fond conflit personnel avec responsable sécurité ambassade israélienne dans Maroc. Ça fait ça risquer empoisonner relations diplomatiques qui fait apprend en deux pays yo Maroc tant qu'aux Émirats arabes unis Bahreïn met au Soudan c'est un pays arabe qui pas trop longtemps normaliser relations avec pays Israël. Dans chapitre la santé virus poliomyélite toujours à circuler dans état New York situation urgence déclarée. Écoutez Marie Farah Fortuné qui a pour des plus de détails pour nous. Virus polio toujours présent dans tout rego New York pays États-Unis. Dernier prélèvement yo mete a jour présence virus la nan côté Nassau face à situation sa kati otil gouverneur état New York lan décrété état d'urgence ça qui a permettre à infirmier yo sage-femme yo metou pharmacien yo pi yo bay vaccin contre poliomyélite lan sou polio nou pa kap simplement fè titato si nous même ou bien petit nou pa vacciné ou bien pa ajou nan vaccination yo risque paralysie a réel. Mwen mande ak abitan New York yo pi yo pa accepter aucun risque ces déclarations sa kati otil fè. Autorité sanitaire ajouté moun ki pa vacciné ou ti moun ki gen moins passé 2 mois yo femme enceinte ak sa ki pa gen un schéma vaccinal complet doit immuniser bien vite personnel santé en contact avec cas suspect yo doit prendre yon dose rappel couverture vaccinale contre poliomyélite à 79% dans état New York mais li pi faible dans comté Oakland Orange ou bien Sullivan côté identifié virus en plusieurs fois dans de salio. Pour qu'on ait un seul cas polio confirmé dans le comté New York, c'est un monde qui n'est pas vacciné qui vit dans le comté Rockland. Mais plusieurs milliers de monde est à ça pour qu'on ait exposé à menace. Après confirmation, un cas poliomyélite qui paralyse le comté Rockland, est à New York, pays États-Unis, moi je passe. Autorité sanitaire fédérale a renforcé la surveillance virus poliomyélite dans la vie de l'eau dans tout l'État. Gen quelques jours été annoncé gen virion yote identifié dans deux zones géographiques en juin et juillet dans comté Orange et une autre fois encore dans comté Rockland. Ka ki confirmé yo concerné un jeune adulte côté yo ignoré identité qui était présenté dans l'hôpital comté Rockland avec un jambe paralysé. Médecin ont rapidement confirmé présence virus poliomyélite là. La kay patient qui pas vacciné mon yo ta infecté à cause de facté soit yo pas vacciné contre poliomyélite ou bien yo exposé à une souche poliovirus. Dans technologie pays Inde ta vle passer devant la Chine dans affaire technologie en côté Rose Darlene Pierre qui porter plus détails pour nous. Gouvernement pays Inde qui c'est troisième pays qui plus riche dans zone Asie vle faire tout ça capable pour mettre Inde sur rail développement comme ça doit. C'est déclaration premier ministre indien Narendra Modi te fait en date 15 d'août 2022 dans occasion 75e l'année depuis pays Inde te vinn grand monde tête li sous colon pays Angleterre passé devant la Chine dans affaire technologie et puis rassembler usine qui a fait toute qualité appareil pour technologie ya qui a servi tout partout dans le monde entier. C'est un plus gros objectif développement pays Inde d'après gouvernement pays ça. Compagnie Apple qui établit Colli dans pays États-Unis, t'es décidé pour lui pas faire modèle iPhone 14 Lio dans usine la Chine yo encore mais plutôt dans pays Inde. Décision compagnie Apple là t'a montré plan bataille gouvernement pays Inde là dans affaire technologie a ta sur route pour porter bon genre résultat. Compagnie Apple t'a perdu plus passé 8 millions de dollars américains après gouvernement la Chine t'a demandé tout business étranger qui t'a gain usine sous territoire l'IA fermer porte yo à cause de t'a trappé en pile monde qui t'a gain maladie corona ou sinon COVID-19 là dans une ville pays la Chine yo. Journée jodia pays aide a chercher gagner une place important dans affaire technologie pour essayer passer devant pays la Chine d'après ça qui écrit dans espace internet journal français. C'est Le Figaro, un journal qui existait depuis date 15 janvier 1926 dans pays la France. Ministère éducation nationale annoncé dans date 9 septembre 2022, li interdit l'école yo exiger parents yo payer nan dollar américain à toute activité commerce en dedans l'école privée ou publique sous territoire national là. Samedi après-midi 10 septembre 2022, un pile coup de zam tiré britsoukou
Dans zone bon repos, gen yon seri moun ki touye en babal de moun ki semble ta préparé installation chef gang sous place Gouroche nan Kafou route bon repos à Koute Lilavoie. Ancien premier ministre de facto Claude Joseph gen relation à gang ak zam yo nan pays d'Haïti, c'est accusation ancien ambassadeur pays d'Haïti nan République Dominicaine Paul Arslan ki t'a parlé samedi 10 septembre 2022 nan yon émission télévision Vision RDN sur internet. Nan chapitre l'éducation, ministère éducation nationale annoncé nan date 9 septembre 2022 li interdit l'école yo exige parents yo payer nan dollar américain à toute activité commerce en dedans l'école privée ou publique sous territoire national là. Ministère a dit li prend décision ça suite à diverses plaintes li recevoir sous activité commerce responsable l'école yo a fait en dedans l'école yo. Mais ça conforme à mission ministère éducation nationale dit li gagner pour li veiller sous bonne marche l'école publique coup privé dans république là d'après ça ministère a fait connait nan aussi qu'il est ministère a rappelé responsable l'école yo pas qu'à forcer parents yo acheter matériel l'école yo uniquement dans l'école yo ou bien payer avec l'argent étranger. Dans chapitre insécurité samedi après-midi 10 septembre 2022 a un pile coup de zam tiré Britsoukou dans zone bon repos gen série moun qui touye en babal deux moun qui semblait ta préparé installation yon chef gang sous place Gouroche nan Kafou route bon repos à Koute Lilavoie. Situation ça a été lagué gros panique dans zone bon repos. Ancien premier ministre de facto Claude Joseph gen relation à gang exam yo nan pays d'Haïti, c'est accusation ancien ambassadeur pays d'Haïti nan République Dominicaine Paul Arcelin qui t'a parlé samedi 10 septembre 2022 nan yon émission télévision Vision RDN sur internet. Ancien ambassadeur t'a parlé nan yon programme télévisé sur internet Vision RDN suite à décision président dominicain Luis Abinader te prend pour lui interdire ancien premier ministre Claude Joseph ensemble avec 12 chefs gang pour yo pas mettre pied yo sous territoire dominicain. Yon décision ancien chef gouvernement condamné pendant Claude Joseph était premier ministre, il était en contact avec gang, c'est ça ancien diplomate là déclaré dans émission ça qui diffusait bien bonnet samedi 10 septembre 2022 à Alter Press rediffusé. Jodi a gouvernement dominicain au courant divers contacts ancien premier ministre l'ont gagné avec gang examio. N'a pas rappelé en plus Claude Joseph 12 chefs gang qui mentionné dans décision Luis Abinader là c'est Jimmy Cherizier tout le monde connaît son nom barbecue vite l'homme innocent tout le monde connaît son nom vite l'homme gang vite l'homme dans Torsel Renel Destina tout le monde connaît son nom Tilapli gang Grand Ravine Wilson Joseph tout le monde connaît son nom Lambo Sanjou gang armé 400 Marozo Claudie Célestin, tout le monde connaît son nom Chien Méchant, Gang Chien Méchant, Kafou Taba, Ezekiel Alexandre, tout le monde connaît son nom Zé, Baz Pilate, Kemp Sanon, Baz Belé, Chris Wacheri, tout le monde connaît son nom Chris La, Monel Félix, tout le monde connaît son nom Mikano, Baz Wav Jérémy, Gabriel Jean-Pierre, tout le monde connaît son nom Ti Gabriel, Jepep, Serge Runel, tout le monde connaît son nom Ti Junior, ak Orlichin. Emile, tout le monde connaît son nom, Père Lebrun, Baz Delma. Toujours dans le chapitre insécurité, vendredi 9 septembre 2022, bandi a exam kidnappé encore dans Port-au-Prince deux employés bureau l'État APN qui occupaient de gestion WAFIO dans le pays d'Haïti. Deux employés sa yo, tenant yon chaloupe dans le moment plus d'un exam te kembe yo dans le Port-au-Prince lan. Samedi 10 septembre 2022, en pile moun nan Wanamet, département nord-est pays d'Haïti, te levé campé pour yon quatrième jour. Yon après l'autre, yon tap continue protester contre climat latéré gang exam yo, contre ratman gaz lan ak contre la vie chère sous territoire national la. En pile moun nan population Wanamet lan continue exprimer kolè yo à cause de situation misère ak insécurité qui blaye sous pays a. Protestataire yon te utilise barricade pour bloquer route, boule caoutchouc, voye wash ak bouteille et puis écrit revendication yo nan pancarte. Mouvement protestation ça te commencé nan date mercredi 7 septembre 2022 nan zone Mapou sous route nationale numéro 6 là c'est chaque jour jeune nan plusieurs zones après entrer nan mouvement pendant y a bloqué zone la caillou nan moment ça yo porte en pile business fermé et puis machine yo presque pas circuler. Paquet tribunal civil au Kay département Sud pays d'Haïti voyons pinga baye tout manifestant qui ta gen mauvais intention al fè piyay nan magasin villa tant kou sa te fèt nan jou ki sot passe yo. Commissaire gouvernement Okay la met Ronald Richmond dénonce zak piyay k'ap fèt pendant mouvement sa yo et puis li lance yon pinga bay tout manifestant ki gen mauvais intention k'ap piye magasin ak dépôt commerçant yo nan juridiction Okay lan. Commissaire gouvernement di la mete la justice en mouvement kont tout moun sa yo
an koute yon ekstrè nan deklarasyon komisè gouvernement Okaïla, Ronald Richemont, ka pote plis detay pou nou. Pendant que la manifeste pour la vie chère et sécurité, mais ça n'a pas le droit pour la détruire bien moun, la craser bien moun, la briser bien moun. Donc manifester avec violence sur infraction. Donc constitution 87 là, il baille tout le monde droit pour manifester. Il dit ça au passé par rapport à un sujet donné. Mais la manifestation impliquait des scènes de violence ou des pillages là-dedans. Donc maintenant, ils font l'autre bagaille. Et droit avec devoir marcher ensemble, c'est un monde avec un bras qui éclaire la lumière. Donc, côté droit pour la commencer, il faut de l'autre côté et droit par l'autre pour commencer tout. Donc, ou bien droit pour manifester, mais pas bien droit pour détruire la femme. Donc, c'est ça qui fait que. Moun kap fè manifestation, mais des organisateurs de manifs. Donc, yo genye pour le devoir pour identifier by la police avec la justice. Tout moun kap fè violence en de manifestation. Donc, ou ap fè manifestation pour la vie chère, pendant ce temps, ou ap kasse, ou ap piye buzis moun. Ki gen ciment, ki gen débacat, gen fè, gen clou. La dan. Parce que ou pa ka manje ciment. Ou pa ka manje débacat la. Ça veut dire que c'est une série de bagages bien calculés qui a fait pour détruire bien le monde dans la juridiction, dans la commune. C'était le commissaire gouvernement Okaïla, Ronald Richemont. Mouvement levé campé qui t'emmène depuis plusieurs semaines, divers côtés dans le pays, après poursuivre net alcoolé jusqu'à ce que le premier ministre de facto attend des raisons. S'il n'a pas fait ça, la population a fait force pour mettre la terre, c'est disons ancien député Antoine Odon bien-aimé. À la tête à parti Entente Nationale là, même protocole Entente Nationale là, ancien député Antoine Rodon bien-aimé, rete quoi si manifestation arrive dans 500 000 moun, la incontrôlable et s'il arrive dans point ça, tout bagay ka arrive. En coûté ancien député Antoine Rodon bien-aimé capote plus détails pour nous. Si ta avec la parler du quoi faire bagay ensemble avec non? Si ta avec la des quoi planifier comment pour aller? N'a planifié avec comment pour rester l'école? C'est ça nous dit. Place il va gagner place là parce qu'il pas capable. OK? Ariel pas capable, il montre qu'il pas capable. Et il faut que nous planifions comment vous le sortir. Eh bien, le mouvement a amplifié, l'a intensifié jusqu'à ce que le temps de raison, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est placé par là. Et s'il insistait, l'a fait par la force. S'il insistait, l'a fait par la force. Et ça fait nous demander, communauté internationale là, avec le secteur privé, il faut qu'il accompagne les peuples haïtiens dans toutes les prises de décision là, pour nous bien orienter, pour aller pour bien être peuple, bien être pays, bien être tout. Et ma brise, je vous dis encore, peuple m'a dit, Ariel, faut qu'il aille, il n'est pas réglé rien là, il fait pour le temps de raison. Et laisse ça, il a soulevé quand les peuples là. Et si vous ne voulez pas soulever les peuples là pour le faire avec violence, avec fracas, il faut autant de raisons pour ne pas avoir un mandat ou pas une mission, risquer le corps pour avoir l'autre monde qui a une mission, qui a un mandat et qui a un travail, qui a un au service et à l'écoute. Peuple là dans la rue, manifestation à continuer, manifestation à poursuivre et la population doit augmenter davantage et jusqu'à ce que Ariel Henry tente des raisons. Il faut qu'il veille pendant qu'il a fait travail. Yo, ne pas empêcher de faire travail pour ne pas venir 500 000 personnes dans la rue. Depuis que 500 000 personnes, laisse ça la incontrôlable. Et si incontrôlable pour tout le bagage qui arrive. Nous-mêmes, prévenus vaut mieux que guérir. Il y a un premier ministre qui n'a pas pris rien, qui va essayer de payer rien. Nous souhaitons que l'international accompagne pour dire le risque. Il y a un autre bon ancien député Antoine Rodon bien-aimé, fait qu'on ait tiré le Sénat République là, tant mais une série de marches pour lui cajouer une solution pour retirer le pays à la carte boumbe lié à. Le fait qu'on ait tiré le Sénat, chercher une solution côté tout on a la donne, une solution médiane, il y a plusieurs rencontres qui continuent faites d'après ancien député Antoine Rodon bien-aimé. On écoute le cap pour des plus de détails pour nous. Notre travail. Et je crois que le Sénat a une responsabilité qui est prise aujourd'hui. Et je pense qu'il y a cherché une solution. Et solution là, une solution consensuelle, une solution médiane, une solution côté que tout le monde a senti que l'intérêt la donne pour ne pas suivre le pays et retirer dans sa vie. Je crois que l'idée est en train de dire, pas oublier, c'est seul lui-même qui est légal et légitime aujourd'hui dans notre pays. Je pense qu'il n'y aura pas de responsabilité. Et nous voyons qu'il y a des rencontres qui commencent à faire. Et rencontres ça, nous espérons qu'il y a des fruits d'ici. Et fin semaine prochaine qui vient là parce que il y a un pile rencontre qui a fait, il y a un pile pion qui est obligé à déplacer, il y a un intérêt mesquin personnel qui est obligé à mettre de côté pour garder l'intérêt collectif là, pour nous retirer dans sa ligne là. Moi, je crois que CSN a des rencontres qui a fait, pas seulement nous-mêmes, il a rencontré Montana, il a rencontré Penn, il a rencontré Accord Unitaire, il a rencontré différents autres groupes encore, et l'autre groupe pour permettre que nous joignions ici. Et je crois que consultation après poursuivre, je pense que
appel là lancé par président du Sénat, tout le monde doit répondre à l'appel et porter ça au capable porter pour nous capable une solution que tout le monde tant souhaité dans pays aujourd'hui. C'était ancien député Antoine Odon bien-aimé. C'est celle une révolution dans la paix qui a duré longtemps qui va permettre pays d'Haïti reprendre dignité qui perdit d'après parti politique Mouvement Patriotique Populaire des Saliens Moupod. D'après Moupod, si après 17 octobre 2022, pas gain aucune amélioration dans conditions sécurité publique ni sanctions qui appliquées contre groupe qui a institutionnalisé insécurité et criminalité à Moupod invité population dans une plus bonne organisation opération levé campé. D'après Moupod, ces changements qui comptaient. Ariel Henry pas jamais essayé appliquer aucun dans saleté sien avec plusieurs partis politiques dans date 11 septembre 2021, ça gagne l'année. Seul souci li te gagné dans l'année qui saute passé a c'était fait temps passé pour le cas mettre sous route propre projet pal dans tête coulée avec mon qui te mettel dans tête pouvoir politique là d'après parti politique Unifos. Coordonnateur parti politique Unifos Paul Denis rappelé premier ministre Ariel Henry fait connait li vient appliquer testament ancien président Jovenel Moïse en côté coordonnateur parti politique Unifos Paul Denis qui a plus de détails pour nous. Premier ministre, hein, pas jamais essayé, pas jamais appliqué même un seul point là quoi. Donc, nous avons dit ce plan que nous avons compris qui était capable d'aider l'Ukraine pays à pour nous sortir la crise, la traverser. Eh bien, ce plan, nous avons dit c'était un plan, c'était un accord mort-né parce que le premier ministre, son seul souci, c'était gagner du temps, essayer et battre tête une certaine légitimité, joindre à calmer pour avancer vers la réalisation de projets par lui-même les gagner pour compte lui, je ne sais pas peut-être et sous les ordres de ses commanditaires. Parce que le premier ministre, lui font une déclaration qui reprend par le Washington Post côté lui dit de façon très nette et très claire que sa seule mission c'est d'exécuter le testament de Jovenel Moïse. Alors vous comprendrez, il y a une série d'organisations politiques ou de la société civile qui passaient 4 ans, il y a bataille contre Jovenel Moïse, contre les pratiques auprès de Jovenel Moïse. Voilà que ce premier ministre avec lequel nous mettons d'accord pour faire, on prend une série de dispositions pour nous retirer pays à la crise, Jovenel Moïse contribuer. Pour le mettre là, eh bien, voilà que ce premier ministre nous apprend que lui-même, il a gagné l'autre travail qu'il vient de faire, et il se considère comme l'exécuteur testamentaire de Jovenel Moïse. C'était coordonnateur parti politique Unifos, Paul Duny. Américains yo honoré dimanche, mémoire à peu près 3000 monde qui étaient jeunes dans moyo dans pigo attentat dans l'histoire pays États-Unis 11 septembre 2001, ça qui était traumatisé pays à en pile. New York foule l'enterré ni tout prémisé Memorial Manhattan. Côté ont fait silence pendant 2 minutes, ça qui était marqué moment exact côté des avions commando islamiste t'a piraté t'a frappé tout World Trade Center. Dans public là, vice-président Kamala Harris écouté longue liste non victime. Président Joe Biden a participé lui-même dans une cérémonie Pentagone. Europe, enterrement reine Elizabeth II qui mourit jeudi, Écosse, a fait lundi 19 septembre Londres. D'après ça, palais Buckingham fait qu'on est samedi. Il y a plein de dirigeants dans le monde pour enterrement ça qui a fait dans Abbé Westminster à 11h. Wachal 3, petite li qui remplace, il déclare juin férié Royaume-Uni dans l'occasion. Depuis Elizabeth II trouvé le poukounia dans sa bal château Balmoral dans pays Écosse, côté le terrain dernier souffle. Il a transféré la presse dans le palais Hollywood et puis dans la cathédrale Saint-Gilles Edimbourg avant de arriver avec le Madi Londres côté l'a exposé publiquement pendant 4 jours Westminster Hall, puis vieille section chambre parlement après une procession dans la rue Londres. Roi Charles III officiellement nommé dimanche 11 septembre Monaco, Australie et Nouvelle-Zélande pendant cérémonie qui était faite dans deux pays pour marquer la session sous trône. Dans Canberra, gouverneur général David Hurley proclamé Prince Charles Philippe Arthur George Roi Charles III roi Australie pendant cérémonie qui semblait avec Wellington, premier ministre Jacinda Ardern salué Charles quand il déclarait qu'il était depuis longtemps qu'il a affection pour Nouvelle-Zélande et il était toujours démontré gros intérêt pour nation. Et puis secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres qui a visité Pakistan qui ravagé dans gros inondation déclaré samedi 10 septembre il pourquoi jamais un canage climatique à niveau ça. Il demandé pour polier yo camper folien côté
yo investi yo nan énergie fossile. À peu près 1400 moun perdi la vie depuis mois juin nan inondation la pli mousson causé parmi yo côté ça augmenté à cause réchauffement climatique là d'après ça expert à responsable pakistanais fait connait. Dans l'économie COVID-19, ensemble avec chalet, fait activité au baissé en pile dans la factory dans le pays la Chine. En côté, Kervins Adam Paul qui a porté plus de détails pour nous. Activité dans la manufacture baissé la cause COVID-19 là et puis gros chalet canicule là. Activité dans la factory dans le pays la Chine baissé une autre fois encore dans le mois d'août 2022 dans une vitesse qui moins prononcée parce que ça qui tape attendre. Résultat, COVID-19 là a gauche à les canicules là qui pesait sur l'économie d'après chiffres officiels yo qui publié mercredi 31 d'août. Indice directeur achat yo tabli nan niveau 49,4 points nan mois d'août là contre 49 points nan mois juillet d'après sa bureau national et statistique là annoncé. N'a pas noté les quantités sa plus passé 50 points li montrer gagne yon expansion nan activité yo et puis l'el pi ba passé 50 points ça montrer gagne yon contraction. Nan kilti n'a boulé sélectionné pour Montréal Black Film Festival en côté Marie Farah Fortuné qui a porté plus de détails pour nous. Sélectionné pour Festival Montréal Black Film Festival lan court-métrage fiction n'a boulé a fait grande première mondiale le 22 septembre k'ap vini la pays Canada. C'est cinéaste haïtien Alexandrine Benjamin qui réalisait N'a boulé qui tournait dans la commune Jacques Mel dans le sud-est pays d'Haïti. Dans le film 21 minutes, la réalisatrice a montré défi population haïtienne doit s'y monter chaque jour à travers l'histoire d'un couple qui fait face à des difficultés juste pour capable mettre premier petit dans le monde. Face à des rives, mettre aux scènes violence qui capable prendre plusieurs formes, enlèvement contre rançon, viol, assassinat, Benjamin dénoncé, mettre au prédit sa lirele nouvelle normalité peuple haïtien. Et puis, ba yon réponse qui rele n'a boulé, qui d'après lui, c'est un réel face à situation horrible ça. Pour film ça, rendez-vous fixé dans cinéma Pac Montréal l'an 22 septembre à 17h en présence réalisatrice. Jeune femme la promet une projection film là dans pays d'Haïti. Pour Pita, commencement 2023, tout pendant le dévoilé long métrage li au négatif, côté les responsables département production. Comment arriver pour nous coûter discours Ariel Henry dans l'occasion un an encore 11 septembre, nan, nous parlons plutôt autant de discours là. Un an encore 11 septembre, Ariel Henry a signé ensemble avec une valeur partie. Dans ancien opposition hein, et c'est toujours même coalition ça qui sous pouvoir kounien discours Ariel Henry suit même schéma que les toujours suivent appel au dialogue promesse pour élection et puis avant ça il dit que faut que passe mais qui fait la constitution hein, et c'est ligne ça que la suivent et tenant compte de divers mouvements qui fait dans pays à ces derniers temps. Monsieur lancé un appel au calme by tout le monde et puis il dit que le gouvernement a travaillé avec sa ligue en meni pour faire des programmes apaisement social et qui ça y est 134 restaurants communautaires qui ont distribué plus passé 40 000 repas par jour c'est un mouvement qui a fait sans monde pas vraiment capable ouais ça tout bon parce que en fait son monde ouais c'est Gaza qui pas gagné et c'est le pompe à paille gaz qui côté c'est gros blocus pas même des moyens pour moun circuler du tout alors il dit tout que programme restaurant communautaire pouvelle en province tout plus passer 51 000 kits alimentaires dans divers côtés dans pays a pile moun a demandé comment ça fait et qui bon gens et autorité aurait même visibilité pour nous pas ouais ça et 50 000 moun parmi ça qui pi mal yo déjà recevoir un petit jojo sous téléphone yo c'est ça yo dit y a préparé un programme 410 millions goud pour ouvriers qui dans secteur textile là ouvriers qui dans secteur textile là qui yo même a menacé pour yo camper parce que yo pas capable vivre yo dit avec si ça yo recevoir comme salaire minimum nan et puis ministère agriculture, travaux publics, environnement, d'après ouvert, d'après ça, Ariel Henry dit, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, ministère travaux publics, le ou pas là, avec le relais au secours pour des zones
qui gagnait alluvion, qui bloqué, qui gagnait gros problème infrastructure dans zone capitale là, eh bien yo dou carrément yo même yo pas gain l'argent, yo pas gain gaz et puis gain gang, yo pas gon pa à faire, yo pas gain moyen pour yo faire aucune intervention. C'est ça travaux publics toujours dit. Et puis Ariel Henry pour rentrer l'école là, il parlait de appui. Yo pral bay 50 000 familles en difficulté. N'a ptito dans des discours. Chers compatriotes, aujourd'hui 11 septembre 2022, cela fait exactement une année depuis que j'ai tenu ma promesse faite le jour de ma prise de fonction d'aller vers tous les secteurs de la vie nationale en vue de rassembler les filles et les fils d'Haïti autour d'un projet commun à mettre en œuvre pendant la période intérimaire. Projet qui devait nous conduire à un retour aussi rapide que possible vers un fonctionnement normal de nos institutions démocratiques. Il y a un an, après plusieurs semaines de discussions, j'ai signé avec des partis politiques majeurs qui anime depuis longtemps la vie démocratique dans notre pays, des groupes organisés de la société civile et des organisations populaires, un accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Malheureusement, certains autres compatriotes ont préféré refuser cette main tendue, ce qui est leur droit le plus entier. Plusieurs signataires de cet accord me reprochent d'avoir mis trop de temps à mettre en œuvre toutes ces dispositions. Ils ont raison, mais je leur dirai que le but de notre action dans la conjoncture actuelle n'est pas d'obtenir qu'un groupe l'emporte sur tous les autres. L'important, plutôt, est de rassembler le maximum de nos compatriotes afin de trouver ensemble des solutions durables et de faire en sorte qu'en sortant de cette crise, Haïti puisse prendre un nouveau départ et s'engager pour de bon sur la voie de la restauration de la démocratie et de l'état de droit. La revitalisation et la transformation de notre économie. Je ne vais pas refaire l'historique de toutes les démarches que j'ai entreprises pour tenter de ramener plus de compatriotes à la table de négociation. Plusieurs démarches ont été tentées par un groupe réunissant des représentants de l'université, du secteur privé et du secteur religieux, et par la commission de signataires de l'accord du 11 septembre, et par d'autres. Je veux ici remercier publiquement celles et ceux qui ont pris le temps de faire ce travail patient. Ils ont rencontré toutes celles et tous ceux qui voulaient bien participer à ces concertations inter-haïtiennes. D'autres initiatives sont aussi en cours. Le travail devrait nous permettre de prendre les dispositions en vue de convoquer dans les semaines qui viennent un grand chitatandé susceptible de déboucher sur une entente large sur la mise en branle du processus devant aboutir à l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives. Nous voulons témoigner à nos partenaires de la communauté internationale notre reconnaissance pour leur support en ces moments difficiles, et nous leur renouvelons notre appel à nous aider à améliorer la performance de la PNH en lui fournissant les moyens et les encadrements adéquats, à combattre la corruption et les fraudes
et à poursuivre les délinquants de tout poil, à lutter contre les discriminations de toutes sortes, à envisager la possibilité d'encourager les investissements, à nous apporter un soutien financier en vue de combattre le chômage et d'améliorer les conditions de vie de la population, à contribuer à la distribution d'une justice saine et impartiale. Nous voulons dire une fois de plus, nous croyons que si la PNH reçoit la formation nécessaire, l'encadrement approprié et les moyens indispensables, elle pourra, dans un temps raisonnable, assurer la sécurité du pays et la libre circulation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Avant la fin de cette année, nous devons mettre le pays en mode électoral et permettre à toutes celles et à tous ceux qui veulent prendre la direction des affaires de notre pays de participer à une compétition saine et démocratique. Je le répète à tous ceux qui colportent, ici et ailleurs, que j'ai l'intention de garder le pouvoir, que ceci est faux, et ils le savent bien. N'était-ce les tergiversations des uns et des autres, l'action des gangs qui sèment la terreur, et la difficulté à fournir à la police nationale les équipements, les matériels dont ils ont besoin pour agir avec efficacité et rétablir la paix, nous aurions déjà lancé des consultations pour apporter les modifications indispensables à notre constitution et pris les dispositions pour organiser les élections. Il est révolu le temps où on pouvait assauter le pouvoir et imposer sa volonté au peuple haïtien par la force. Ceux qui ont peur des élections doivent savoir qu'ils n'ont aucune chance de parvenir à la direction de notre pays. En 1987, le peuple haïtien a fait le choix irréversible de la démocratie. Il incombe à toutes celles et à tous ceux qui veulent jouer un rôle politique de se préparer à aller chercher la consécration populaire dans les urnes. Je reste ouvert pour discuter avec tous les démocrates des modalités de mise en place de structures électorales crédibles, impartiales et transparentes. Ce n'est plus le moment de retomber dans les travers habituels qui ont jalonné notre marche vers la démocratie, la transformation et la modernisation de notre pays. Nous ne pouvons pas recommencer avec les mêmes errements. Nous croyons que c'est ensemble que nous trouverons une issue favorable aux crises multiples qui frappe notre pays. Aujourd'hui, toutes les personnes de bonne volonté devraient se rassembler et s'unir pour faire face ensemble aux maux qui rongent notre société. L'insécurité et l'action des gangs qui empêchent la libre circulation des personnes et des biens et menacent l'organisation des élections. La misère abjecte dans laquelle végète un trop grand nombre de nos concitoyens, le chômage et l'absence de perspectives d'avenir pour notre jeunesse. Solution problème PIA. C'est pas n'embouler caoutchouc, faire des ordres, craser vite machine, ni n'embouler à faire monde lié. La justice a poursuivre tout le monde qui a commis mauvais actes. Faut nous comprendre.
c'est pas ça qu'a mettez manger dans assiette nous. Et c'est pas ça qu'a payé l'école pour petite nous. C'est pas ça qu'a fait nous joindre l'argent pour nous payer femme caille nous. Moun k'ap pousse jeune garçon ak jeune femme al fè sa yo pa remen peyi a. Seul sa ki enterese yo, se pran pouvwa nan n'importe kel kondisyon ou sinon mette nan tèt l'état moun ki pral fè eleksyon fou mamit. Fòk nou fini ak mòd bagay sa yo. Kidnapping lan bese. Fòk li kaba net. An pil bandi neutralize. Fòk la polis kontinye kwape yo. Fòk nou travay men nan men pou tout si moun al l'ekòl nan mwa d'Oktòb la. Solusyon durab pou peyi d'Ayiti jodi a, se remete sekurite tout patou. Relanse ekonomi peyi a. Se nan kreye kondisyon pou investise etranje tankou Ayisyen ki nan diaspora. Vini mete aktivite epi bay travay. Pendan ap travay pou nou remete stabilite nan peyi a, nan fè kontak tout patou pou enterese yo vin gade opotunite investisman Ayiti ofri. Mwen pa konen pou nou, men mwen mwen kwe Ayiti gen potansyel pou li soti nan mal site si pisit li yo vle sa tout bon vre e si yo mette tèt yo ansanm. Se pou nou travay ak konviksyon e dezenteresman pou nou kap espere san ap plante jodi a lot kap vini deye nou ap ka rekolte yo. Kompatriot mwen yo, yo fè mwen proche, yo di mwen pa pale ase. Se paske m ap travay. Travay la anpil, e nou pa ka rete nan chemin pèdi tan. Pendan ti tan ki rete, avan mwen pase mayèt la, bay moun nou va chwazi an tout libertè nan bon jan eleksyon, gen an pil reform pou nou fè. Nou atake problèm la douan, ak kontreban lan, ak korupsyon nan boat l'état yo. Eske nou konen chak ane, l'état pèdi plus pase 600 milyon dola Ameriken, sa ki fè 75 milyard goud nan douan Port-au-Prince selman. Sa fè plus pase sa nou bezwen pou peye salè tout employé l'état yo pendant yon ane. Nou komanse jwenn kelke bon rezultat. Mais grand pile travail qui était pour nous faire. M'a profité pour me saluer initiative plusieurs monde dans secteur privé prend puis dit publiquement. Yo prend décision pour yo payer toute taxe à toute bordeau la douane. M'a prend engagement pour l'état jouer rôle li sans passe pour qui et fait tout le monde payer ça yo doit payer. M'a prend engagement tout pour me veiller pour l'argent taxe yo bien dépensé pour bay peuple haïtien service. Moi dit ça déjà et m'a priorité encore. L'État doit rentrer plus taxes pour joindre moyen pour répondre à revendication ça qui pi mal yo. Faut que nous fassions une utilisation plus équitable et plus juste de ressources nous gagnons yo et dépenser yo dans l'intérêt tout le monde. Moun la ville tant que moun en dehors. Besoin yo en pile.
Est-ce que nous trouvons ça normal pour l'État besoin lancer quelques programmes apaisement social pour nous réussir à mobiliser seulement 3 milliards de gourdes? Alors que nous avons dépensé plus passé 50 milliards de gourdes pour subventionner gaz pour moun ki ta ka paye l nan prix normal. Ak tout ça, gaz la tap toujou vann pi bon marché longtemps parce que Jean Malfecteur a vann li nan marché noir. Nou pral gen pou nan ajuste prix gaz la. Nou vle gaz la disponible tout temps nan pomp yo nan tout pays. N'a travaillé sur ça et dans un petit temps qui pas trop loin nous ta doué recommencer joindre gaz là régulièrement. Moi connais des monde qui pral essayer chauffer tête nous. Dit nous prend la rue pour prix gaz là pas venir dans prix normal li. Yo pas content. Ouais nous joindre des solutions durables. Parce que plus pays a un problème, plus vous pensez que vous avez fait l'argent et fait mobilisation pour faire capital politique. Compatriotes, moi, yo, pays a un problème. C'est dans tête ensemble pour nous résoudre. Yo. Violence pas la donne. Violence pas mener nous aucun côté. M'a lancé un appel au calme by tout le monde. Le gouvernement a travaillé avec sa ligne en main pour faire programme apaisement social là atterri. Dans la zone métropolitaine, il y a 134 restaurants communautaires qui ont distribué plus de 40 000 repas par jour. Même programme là gen pou commencer bientôt dans province tout. Fayes sotre met plus passé 51 000 kits alimentaires dans divers côtés dans pays. Gen 50 000 moun parmi sal ki pi mal yo ki déjà recevoir yon ti chocho sou téléphone yo. Et affaires sociales, gen pou fè yo l'autre vestment encore pour yo. Nous prévoyons un programme 410 millions goud pour ouvriers qui dans secteur textile. Ministère agriculture, ministère travaux publics et ministère environnement gen travaux à haute intensité de main d'œuvre. Cap fait dans tout pays. Pour entrer l'école là, Fonds national éducation a bail 50 000 familles en difficulté qui ont plusieurs timoun dans premier cycle fondamental privé tant que public qui déjà sélectionné pour recevoir un petit bagage dans meilleure affaire sociale sous téléphone. Dans le mois d'octobre, là, nous allons mettre des moyens dans mes cases pour mettre des activités dans tout le pays. Je dis, m'a dit et m'a répété. Solution pour le pays noir, passer par dialogue, par entente, par bonne élection, par sécurité, par justice, par investissement. Par création en pile job. M'a demandé tout le monde rete tête frette, posé que calme. M'a prononcé un appel by tout le monde qui a une bonne volonté. By tout le monde qui voulait une solution durable pour le pays. Qui voulait well changer et transformer dans le sens nous t'avons. M'a dit nous, ce n'est pas dans le chire pite. Ça qu'a fait. Ni c'est pas dans bataille pour un petit pouvoir pour deux jours. Le arrivé
l'est arrivé pour nous changer façon nous faire politique dans pays ici. Pour rentrer dans la modernité politique, pour nous rétablir confiance dans le temps de nous. Pour nous travailler pour la démocratie qui a blâmé. Oui, nous sommes capables de faire ça. Oui, nous sommes capables de faire ça. Oui, nous sommes capables de bailler Haïti chance ça. Vive la démocratie, vive Haïti. Merci. Eh bien, ce discours ça, Ariel Henry fait ta dans un souhait 11 septembre. Et ça, c'est quand même une mauvaise tradition qui a duré, un discours bilan qui s'est passé, pour qui raison, qui n'est pas fait dans la journée normalement, le moment tout le monde, j'ai clair, j'ai calé, j'aurais ouvert, à tendre, à garder, et c'est pratiquement en pile monde fin dans la cabane que le discours ça a fait. Un discours bilan, peut-être une année après, puisque quand même il s'agit de 11 septembre, date. Ariel Henry a signé un accord avec un parti dans l'opposition qui je dis à la coalition gouvernementale ensemble avec elle. Donc, une année après, pratiquement, le discours ça, bah ouais, rien qui montrait qui s'est fait véritablement pendant année ça, à part que Ariel Henry dit que il toujours une initiative de dialogue, gagné des activités comme ça qui a fait, mais après, ou pas gagné en rien en mort. Même si, en pile, monde qui écoute le discours ça, citoyens, citoyennes, yo, pas nécessairement gagné, une responsabilité, l'argent Ariel Henry là, puisque, ça qu'a fait là, yo, pas au courant, pas gagné aucun mécanisme démocratique qui fait que, c'est lui-même qui l'a jodi an nan situation que nous-mêmes nous connaissons depuis le Jovenel Moïse t'est mouri assassiné en juillet 2021. Monsieur parler avec un pays qui crasé, est-ce que l'Iran ni compte de ça que son pays qui a tout fait, qui besoin respirer, qui besoin prendre un souffle, et là nous capable dire très clairement des monde qui levé campé. Et il dit au bout, c'est un peu partout dans le pays. Il y a un pile colère dans la rue. Mais c'est pas parce que ouais, il y a un valeur monde qui va prendre la rue, ou t'as dit que affaire est bon, ou t'as dit que yo même yo à l'aise, yo pas fâché aux gens ou un pays ça fin crasé sans pas gagner un responsable qui prend responsabilité ou tout bon et qui montre une pensée t'as qu'à dire réel pour faire pays ça avancer, pour faire le sortir dans sa lia d'abord pour le capable avancer. Et en parlant de situation générale, en pile mon a signalé nouvelle tout fatra tout partout, infrastructure fin crasée, yo pas entretenu à part de quelques petits quartiers, mais pis fort pays a pour le président tout au moins ouais que son pays qui pas gen moun qui a occupé de lit tout bon. L'on allait par exemple tout à l'heure à la Napgade photo que a circulé sous marin en pleine, ou comment pas d'infrastructure du tout, c'est appel qu'a lancé auprès de travaux publics qui lui-même dans contact il fait avec nous pour dire que il pas gain l'argent non mais il pas gain moyen et pas gain assez sécurité d'après ça aussi pour intervenir dans une série de quartiers. L'autre jour, on a regardé ça passer tête de l'eau, ou regardé ça gagner l'empernier, côté monde pas qu'à circuler, alluvion monté 17 hauteurs, alluvion sous alluvion, et qu'on y a capable de d'année en année, ou pas jamais, en quelle intervention qui fait, et bagayo, yo extrêmement grave. Est-ce que autorité yo rend yo compte de ça, à moins que il trouvé au nom bulle qui c'est bulle pouvoir qui pas permet tout capable gagner une connexion réelle avec réalité pays. Voilà, c'est peut-être des considérations à prendre en compte après un an de pouvoir ça qui a fait l'encadre d'une coalition avec un parti dans opposition. Ariel
Henri qui fait discours hier soir 11 septembre nan occasion un an ça.